Allez, Néné qui vient chercher son dû, son ballon. Il fait de la pardonner la bonne ouverture. Ouais, elle est belle, elle est belle. Et puis, oh, il a signé Su Yong-Pa, le sud-coréen de l'AS Monaco. Bien joué. À un moment où on ne s'attendait pas peut-être ici à lui deux, et bien le sud-coréen Su Yong-Pa qui vient redonner l'avantage à l'AS Monaco. On est dans le dernier quart d'heure de jeu et les Monégasques qui mènent désormais 2-1. Qui mène 2-1, qu'on le voit, on l'a vu, encore Néné qui est venu se trimballer et venir chercher son ballon. Un petit ballon piqué là, là on s'arrête, baston t'es pris. Et puis là on pense que Hugo Lloris, bah, il sort, il pense l'avoir, mais le ballon est très très haut, il est passé à travers. Et hop, second poteau, on se retourne tous et qui surgit. Le Coréen. Ils se sont fait piéger les Lyonnais. Exactement, c'est le terme Fabien, piégé.